Tournesson. 403 sur 4, troisième. Michel Bernier au collège Paul-Émile Victor. Non, non, vous ne rêvez pas. L'actrice est l'héroïne d'un épisode de la série Accusée sur France 2. Elle y incarne Nathalie, gendarme et mère d'un ado de 16 ans. Nathalie est divorcée et vit depuis peu une aventure avec Victor. Un jour, lors d'un contrôle sur un chantier, Nathalie reconnaît son amant. Il ne lui avait pas dit qu'il était sans papier, et elle ne lui avait pas dit qu'elle était gendarme. Pour Michel Bernier, cette histoire touchante aborde le thème de l'immigration sous un angle nouveau. Je pense que le problème de l'immigration est un sujet très lourd. C'est pas moi qui vais le résoudre. Mais c'est sûr, quand la souffrance des gens est toujours quelque chose d'insupportable, quels que soient les gens. Donc, si j'ai accepté ce rôle, c'était aussi parce que c'était une manière d'emmener de l'autre côté de l'écran un témoignage un peu différent de ce qu'on entend et qui est sur l'humain, c'est-à-dire sur une histoire plus personnelle. Parce que là, on entend des généralités. Mais là, c'est une histoire d'amour impossible. Tiraillée entre son amour et son devoir de gendarme, jusqu'où ira Nathalie pour sauver son couple ? Levée du suspense, mercredi 27 avril à 20h55 sur France 2.